Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle page d'actualité. À la une, l'entrepreneur Nicole Désir, kidnappé le 3 mai, est décédé dimanche, quelques heures après sa libération. Les centres hospitaliers Saint-Luc et Saint-Damien cessent leurs activités à partir de ce lundi pour exiger la libération de la docteure Benetti Augustin, enlevée le 5 mai dernier. 8 Turcs, dont 3 femmes, ont été kidnappés dimanche à la Croix des Bouquets. L'Association nationale des Médias haïtiens, NMH, dénonce le mutisme agaçant et révoltant du premier ministre Ariel Henry sur la dégradation accélérée de la situation sécuritaire du pays. La NMH, qui a réalisé le 8 mai la seconde édition de l'émission intitulée « L'État côté aux citoyens réveillés » dans les studios de Radio-Télé-Pacifique, sous les auspices de l'ingénieur Hervé Lerouge, PDG de Technogroup, qui comprend également le journal Le National. Les entrepreneurs pressent le gouvernement d'adopter des mesures draconiennes pour lutter contre l'insécurité permanente. L'Association haïtienne des psychologues APSI préconise un accompagnement psychologique aux personnes déplacées en raison de la crise sécuritaire. Et c'est des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Vous suivez le journal Info Pacifique. L'entrepreneur Nicole Désir, qui a été enlevée le 3 mai à l'intérieur de son entreprise à Pont-Morin, est décédée le 8 mai, quelques heures après sa libération. Les premières informations ont indiqué qu'il a été évacué à l'hôpital du Canapé Vert pour se faire soigner d'une embolie pulmonaire. Les malfrats qu'il avait emmenés à Grand-Ravine pour la séquestrer l'avaient remise en liberté contre rançon. Jusqu'à hier dimanche, on ne disposait d'aucune information sur le sort de l'agent de sécurité qui avait été enlevé. Soulignons que lors du rapt, la patrouille policière habituellement remarquée dans les parages avait déserté les lieux. Dans l'intervalle, il faut signaler que le gang 400 Marozo a effectué un rapt collectif en détournant dimanche un autobus en provenance de la République dominicaine. Des voyageurs haïtiens et 8 Turcs se trouvaient dans le véhicule intercepté par les caïds à la Croix des Bouquets. L'information a été rapportée par le journaliste Yves-Marie Chanel sur sa page Facebook. Parmi les étrangers figurent 3 femmes, a-t-il précisé. Parallèlement, une vive tension a régné lundi matin au niveau de l'avenue Charles Sommer, où les employés de la Direction générale des impôts ont entamé un mouvement de protestation contre le rapt de Guy Bernard, assistant direction des opérations à la DGI. Il a été kidnappé dimanche soir à Pétionville, ont déploré ses collègues. Ils ont notamment placé un autobus en travers de la route à Carrefour-Tifour, à la pointe du Bois-Vernat, paralysant pendant des heures la circulation automobile. Les centres hospitaliers Saint-Luc et Saint-Damien cessent leurs activités à partir de ce lundi pour exiger la libération de la docteure Benetti Augustin, enlevée le 5 mai dernier. Une décision prise par les responsables des petits frères et sœurs qui dénoncent une fois encore le climat de sécurité délétère du pays. La docteure Benetti Augustin est responsable de la clinique externe et de la clinique d'épilepsie de l'hôpital Saint-Damien. Les malfrats l'ont kidnappée au moment où elle se rendait sur les lieux de ses activités professionnelles. La police déclare avoir stoppé 94 bandits dans des échanges de tirs avec les agents de l'ordre au cours des 6 derniers mois dans des opérations dans plusieurs régions du pays. Au cours de cette période, environ 5000 personnes ont été arrêtées et écrouées par les policiers qui ont récupéré 234 armes, 21 véhicules, plusieurs dizaines de motocyclettes confisquées, 25 kg de cocaïne, 725 kg de marijuana, 78 000 dollars américains et 220 millions de gourdes. 1187 employés, dont 1013 policiers, ont été renvoyés notamment pour abandon de poste, a indiqué le DG de la PNH, Franz Elbé, ajoutant avoir retourné au ministère des Finances 5 622 chèques et 1 313 cartes de débit, totalisant un montant de plus de 267 millions et 308 000 gourdes. Écoutons les précisions de Franz Elbé, qui dressait le 9 mai le bilan de ses 6 mois à la tête de l'institution policière. Il est au micro d'Estra jeudi et Maud Légeant. Grâce à motivation au niveau base de la police, là. Grâce à unité qui gagnait en dans au commandement,
grâce à l'unité qui gagne dans la police, là, côté base la police, a fait un seul avec le commandement pour nous gommer contre la sécurité. Ça permet que gagne un ensemble d'opérations que la police réalise à travers tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. Et ça permet que nous gagnions des résultats concrets. Côté que 4998 arrestations faites pour plusieurs causes. Kidnapping, assassinat, drogue, détention d'armes illégales et la trier. Nous arrivons à saisir un bateau dans le cadre de lutte contre la drogue. 25 kg de cocaïne nous saisit. 658 kg de marijuana. Nous saisit pendant 6 mois 234 armes à feu. Nous avons la possibilité d'exposer plus de 150 là. Que nous avons la possibilité pour nous garder, c'est des armes. Toutes 234 là, pas exposées là, mais en grande partie, nous exposé que nous avons gardé. Malheureusement, au cours d'opération, il y a 94 bandits qui sont blessés mortellement dans le cadre d'échange avec la police. Il y a 21 véhicules que nous récupérons, qui ont été volés, que nous récupérons, avec plusieurs motos que nous récupérons ou du moins confisqués. Nous saisissons l'argent tout. Nous saisissons 78 520 dollars. Nous saisissons 34 220 575 gouttes. Concernant la situation qui prévaut depuis des mois à Martissant, Franz Elbey se dit conscient de la détérioration de la situation sécuritaire à l'entrée sud de la capitale. Toutefois, il appelle la population à la patience, indiquant que des dispositions seront adoptées pour la juguler. En ce qui a trait à l'escalade de la violence dans la plaine du cul-de-sac, M. Elbey a lâché que la situation est sous le contrôle de la PNH. Il est au micro des tragédies et Joseph-Philippe François. Nous avons fait un petit passé spécialement sur le dernier incident qui arrivait au niveau plein du cul-de-sac. 24 avril, deux groupes gangs ont affronté. Rapidement, la police déployée et prend contrôle de zone. Échange de tirs fait, 54 arrestations faites, 16 armes saisies et il y a plusieurs bandits, malheureusement, qui sont blessés mortellement. Nous confisqués 7 véhicules avec plusieurs motos. Nous avons 3 policiers qui sont blessés. Mais grâce à Dieu, c'est des blessés qui n'est pas grave. Martissant, nous connaissons que c'est un quartier. C'est porte d'entrée plus que 4 départements. Et une grande partie dans le département l'Ouest. La situation ça a influencé toute activité dans la zone Grand Sud. La libre circulation, business influencé. C'est une situation qui préoccupe le gouvernement, la population, la police en général. Nous connaissons que la population a bout, l'impacatonne. Et impatience, ça a justifié. Nous comprenons. Nous tout simplement demandons à la population. Quoi dans la police? Nous demandons un petit temps tout coûte. Nous connaissons nos patients. Mais nous demandons un petit délai tout coûte pour que la situation remédie. Parce que la police là a travaillé avec le gouvernement sous question spéciale. Ça. Nous croyons pas longtemps la situation ça a résolu. Comme annoncé au début de cette édition, des employés de la Direction générale des impôts DGI exigent la libération de leur collègue Guy Bernard enlevé dimanche. Ils sont entrés en débrayage dès le 9 mai. Lundi matin, ils ont dressé des barricades sur la chaussée en signe de protestation. Les protestataires sont amers envers les autorités qui se sont décidément révélées impuissantes à mettre les caïds hors d'état de nuire. Écoutons Debra Jean-Bernard de la DGI au micro de Vladimir Prédeville et de Maud Lèche. Nous avons un cadre qui est le boyer. Ils sont assassinés. Un cadre dans la DGI, c'est pour même qu'il y a 30 ans. Et deuxièmement, hier après-midi à 3h, nous avons assistant directeur, nous avons Guy Bernard, assistant directeur opération noire, qui a kidnappé Diego hier à 3h après-midi. Nous pas contre qui groupe qui kidnappé. Parce que nous vivons dans un pays, et nous-mêmes nous connaissons, nous vivons dans un pays gangstérisé, dans toutes dimensions. Nous ne savons pas si c'est ni X ni Y qui kidnappé. Seulement ça me connaît. Moi-même, moi critiqué si monsieur cap kidnappé mon yo, mais vraiment mon qui gangren pays, c'est ne cap acheter zam ak bal bati monsieur. Alors si monsieur en tant que monde qui n'a même limite avec nous, qui n'a bas niveau avec nous, qui n'a masse défavorisé avec nous, yo pas supposé d'accord prendre mes grand nèg et vieux politiciens concilier yo, yo pas supposé d'accord prendre zam avec balle pour tuer propre nous-mêmes, pour kidnapper propre nous-mêmes. Nous ne sommes pas épargnés,
nous demandons aux autorités, comme pays a amassé chaque jour pour faire ce qui ça comme la fait. Si ti monsieur yo, que ti monsieur yo désarmé yo et que ti monsieur yo comme c'est haïtien, il pas mandé pour tuer yo non, pour désarmer yo un et deuxièmement chercher moyen bâti monsieur ça pour vivre, remettre yo dans société parce que c'est haïtien, yo y même gens avec moi. Et jodi a demandé pour libérer Gebernard sans rançon. Nous pas bay rançon pour libérer Gebernard. Et même si Gebernard libéré pas avant Boyer enterré samedi, déjà pas fonctionné. L'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, dénonce le mutisme agaçant et révoltant du premier ministre Ariel Henry sur la dégradation accélérée de la situation sécuritaire du pays. En effet, la ANMH a réalisé le 8 mai la seconde édition de l'émission intitulée « L'État côté aux citoyens réveillés » dans les studios de Radio-Télé Pacifique sous les auspices de l'ingénieur Hervé Lerouge, PDG de Technogroup, qui comprend également le journal Le National. L'occasion pour le PDG de Radio Ibo, Hérold Jean-François, membre du conseil administratif de la dite association, de condamner le mutisme inquiétant du premier ministre Ariel Henry sur la dégradation du climat sécuritaire du pays, notamment sur la guerre des gangs dans la plaine du cul-de-sac. Monsieur Jean-François a indiqué que le chef du gouvernement est plutôt préoccupé par l'actualité internationale, particulièrement la situation en Ukraine et la récente explosion meurtrière survenue à Cuba. On écoute Roger Jean-François. En 3 avril, date première émission à Jodia, bagayou vin pi grave. Si gen kak manifestation la police qui a arrêté ou soit stoppé un peu bandi, population an kouri ki te kaeli sans li pou konnen kote li pralé. Gen la dan yo ki bout jouk, kwa de bouquin son place publique. Bilè ou bay, yon centaine moun ki mouri ant la plaine ak Cité Soleil. Gen yon centaine blessé tout, et puis yo di gen presque 10 000 moun nan sa yo konté, ki déplacé, ki te kayo, ki oblige chache yon kote pi yo abrite koyo. Sen nap gade yo fè pati de sa yo rele exode. Tankou kote la gen pété, moun a pie, moun kap pran autobus, ou soit train chapé pou yo, tankou nou wè sa nan Mariupol, ou soit nan l'autre ville nan l'Ukraine. Soi-disant autorité boycott yo, yo pa di mwèt, tout chef bébé. Yo convoqué la presse pour parler ça gade yo. Yo pa même mentionné situation gang kap goumen a gang sans l'état pa intervenir pour dire autant au soir mité bandi en bas code la loi. Nou première émission nous té lancé un rel tankou monsieur Damio sou di là. Nous té lancé un rel semblé zoé l'état plombé, li gen plomb là-dedans li. Yo pa tande rel nous ak rel population. Nous lancé deuxième émission ça qui pral porter en pile témoignage pour montrer profondeur drame pays à vivre journée jodiyan pour tout moun wè prend conscience et puis pour yo pa di yo pa te konnen si ka te gravement grave jan liye journée jodiyan. La psychologue Vanessa Merceron-Gardère de l'Association haïtienne des psychologues APSI a déclaré que les victimes de l'insécurité ont été grandement affectées par leurs mésaventures. L'esprit, mais aussi le corps, font l'objet de chocs post-traumatiques, a souligné Mme Gardère, qui conseille les gens à consulter un psychologue en vue de pouvoir surmonter leurs souffrances. Elle rappelle que le 29 19 99 00 est disponible pour les victimes de violences pour les aider à surmonter leur détresse. C'est à propos. Ça m'a élevé dans le témoignage. C'est ça m'a élevé et chaque jour, je m'a rencontré monde qui victime kidnapping et qui victime de situation en général là aujourd'hui. Déplacement monde mortissant, déplacement monde qui vivent mortissant, monde qui vivent et la pleine zone la pleine. Ça m'a retenu c'est toujours même bagaille. Moun yo vivent et yon stress intense, moun yo vin gen problème physique. Qu'est-ce qu'on entend par problème physique? Yo développé en pile moun a parlé ces jours-ci de extrême fatigue, de palpitation, de tension artérielle qui a monté, problème cardiovasculaire en gros. Moun yo a plaigné de manque de concentration, manque de motivation, donc ou pas concentré pour travail, ou pas concentré pour sortir, moun yo pa vle sorti. Message que m'ta reme voye a, c'est que chaque victime différent. Chaque monde qui vit en situation, on te met vivre même situation, nous différents, nous uniques,
Donc, nous avons des façons pour nous réagir. C'est sûr que nous-mêmes, en tant que thérapeute, nous pourrons suggérer aux gens de reprendre la ville le plus rapidement possible pour justement éviter évitement. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable. Donc, c'est pour ça l'importance de consulter un psychologue, un thérapeute, ou bien les lignes, nous parlons de lignes 29 19 90 00 A, qui sont lignes pour les gens en détresse, consulter leurs nous victimes pour nous cas remonter et reprendre pouvoir sur la vie nous le plus rapidement possible. Ici prend fin le journal Info Pacifique. Madame, Monsieur, merci d'avoir choisi la télévision Pacifique pour vous informer. Bonne suite de programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.